des travaux de réhabilitation à partir de ce mercredi pour permettre au Football Club MK de pouvoir recevoir Ismaili d'Égypte le week-end prochain dans de très bonnes dispositions. Suivez ce reportage. L'état du stade Tata Raphaël, le seul qui peut encore abriter des matchs internationaux à Kinshasa, préoccupe au plus haut point la Fédération Congolaise de Football Association. Ce mardi, une équipe constituée de Dona Chimanga, premier vice-président, Jean-Didier Massamba, deuxième vice-président, Roger Bondembe Bokanyanga, quatrième vice-président, et du secrétaire général Grégoire Badi Elonga est descendu au stade Tata Raphaël pour constater avec amertume les dégâts causés par les supporters du Darin Club Motema Pimbe à l'issue du derby de la capitale le dimanche dernier. Bon, c'est les regrets, c'est tout à fait normal, c'est déplorable. Mais bon, on est venu avoir constaté parce que tel qu'on a vu, c'était vraiment l'intention de détruire et de sabotage. Donc, c'est vraiment un constat de pitié, ça fait mal hein, pour voir les travaux qui ont été effectués ici dans un bref délai et se retrouver maintenant dans cet état de choses. Bon. En plus des sièges étrillés, vandalisés en direct à la télévision devant des nombreux téléspectateurs ébahis, les vestiaires sont dans un état qui laisse sans voix. Ventilateurs arrachés, armoires cassées et même le matériel didactique n'a pas été épargné. Les dégâts sont tels que le stade Tata Raphaël n'est pas approvisionné en eau depuis le passage des destructeurs qui ont amené le tuyau principal de conduite d'eau au stade Tata Raphaël. La situation est alarmante et pour parer au plus pressé, la FECOFA a décidé de prendre en charge les travaux des dégâts occasionnés par les incidents de ce dimanche en attendant que la Ligue nationale de football n'établisse les responsabilités et exige des réparations. Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à évaluer, mais ce qui est plus important que dès demain, nous pensons que les travaux doivent reprendre parce que dans l'état où nous avons vu, si ça reste comme ça, les matchs de cette image ne pourra pas se jouer. Vous avez vu, nous venons d'abord de constater ce qui est plus grave. Ils ont même déterré les tuyaux qui conduisent l'eau vers les stades. Donc sans l'eau, c'est pratiquement impossible. Donc dès demain, d'abord, il faut commencer d'abord par remettre les tuyaux pour que l'eau arrive au stade. Et ensuite, les grillages ici, essayer de remettre dans un bref délai ce qu'on peut faire, les ventilateurs là-bas. Nous jouons contre les Arabes, vous connaissez les gens des Arabes. Donc nous risquons d'avoir un mauvais rapport pour compromettre l'avenir de ces stades. Le geste de la FECOFA est salutaire, surtout pour le FC MK de Kinshasa qui recevra ce dimanche le Sporting Club Ismaili d'Égypte pour le compte des 16e des finales aller de la Coupe de la Confédération. Revenons maintenant en arrière pour voir comment les supporters du Darin Club Motema Pembe ont tout simplement provoqué ces dégâts. Nous sommes le dimanche 23 février. Les supporters irrésistibles déversent leur colère malheureusement sur un stade qui a été remis en état par les dirigeants de l'ASV Club. Mais ils ne se rendent peut-être pas compte que le stade Tata Raphaël, comme Patrick Aïssa le disait, est le seul actuellement à Kinshasa capable d'accueillir les matchs aussi bien locaux, nationaux qu'internationaux. Et ces événements ont provoqué, vous allez le voir, l'interruption du match. Si on peut nous montrer les autres images avec ces gaz lacrymogènes ouverts par la police dans les gradins pour disperser les supporters, tout simplement parce que les supporters ne permettaient plus assez que ce match puisse se poursuivre. Un match ASV Club, Darin Club Motema Pembe, interrompu à la 55e minute de jeu, juste après les buts de Lema Mabidi sur un coup franc vivement contesté à l'entrée de la surface de réparation. On va voir maintenant ces images qui ont été contestées par les supporters. C'est parti sur cette action de l'ASV Club de Kinshasa avec du côté gauche, on va retrouver le capitaine Ebunga Ntsimbi Saolé qui va prendre son couloir gauche de prédilection et son centre va tout simplement heurter la main de Limbombe, c'est comme ça qu'on l'appelle, Luindama. Luindama, c'est l'arbitre qui a sifflé donc sur le coup, un coup franc direct magistralement exécuté par Lema Mabidi. On jouait la 55e minute de jeu et c'est à cet instant que le supporter du Darin Club Motema Pembe ont commencé à jeter des projectiles sur l'air des jeux avant donc de provoquer l'interruption du match. Nous attendons d'ailleurs la décision de la Ligue nationale de football qui doit intervenir ce mardi. Aux dernières nouvelles, on apprend
apprend que la commission ou les commissions des compétitions et des arbitres se trouvent présentement en pleine réunion pour soumettre leurs conclusions au comité exécutif de la Ligue nationale de football qui, à son tour, doit rendre publiques les décisions. Il faut donc établir les responsabilités et essayer de reparer. Et selon toute vraisemblance, le Darim Club Motema Pembe va certainement perdre ce match par forfait. Ce sera un deuxième match perdu sur tapis vert par les Immaculés. Après, celui contre Sa Majesté Sangabalende. Là aussi, les supporters s'étaient très très mal comportés. Et d'ailleurs, nos reporters sont allés à la rencontre du président du Darim Club Motema Pembe, Vidier Chimanga, qui était lui-même au stade le jour du derby ASV Club Darim Club Motema Pembe. Il s'est montré ferme face à ces actes des supporters du Darim Club Motema Pembe qui ternissent l'image du club. Et selon lui, selon Vidier Chimanga, si les supporters avaient laissé ce match continuer, son club allait arracher un très très bon résultat face à l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa. On va l'écouter. Et les supporters, Naebisa Kibino, avant match, beau supporter équipe Nabino, Nandenge supporter à Salarayango. Ata ozo pour la 4 à 0. Mais na force à supporter au Kogi Korozonga na score, même qu'on sa l'égalité, même qu'on gagne. Des rôles à supporter et Zalakayangwana. C'est le rôle des supporters dont nous avions besoin. Et nous sommes quand même un peu attristés qu'il y ait eu quelques manipulations qui ont réussi à encourager des débordements. Pour ce qui est des casses au stade, c'est dommage d'en arriver à ce genre de situation aussi. Il y a des efforts conséquents qui ont été consentis, entre autres par l'équipe adverse, pour la reconstruction de ce stade, ou du moins pour sa rénovation. De l'argent a été dépensé. Nous avons participé avec certains de nos supporters à ce que ce travail puisse se faire. Et aujourd'hui, on a cassé, on a détruit. Je ne pense pas que c'est la meilleure image que l'on puisse donner du Daring. Le Daring se veut être un club d'élite. Le Daring se veut être un club de gens qui réfléchissent. Et pas des gens qui peuvent être manipulés pour des petites choses. Je le répète, un match, si nous avions eu nos 90 minutes, je sais, je n'ai pas de doute sur l'issue du résultat. Mais malheureusement, ceux qui me combattent, personnellement peut-être, auraient eu intérêt à ce que des débordements se fassent de cette manière-là. Et ça, je le déplore. Et malheureusement, c'est une fois de plus le Darim Club Motema Pembe qui va payer par l'entremise de son comité, ce qui ne rend pas la tâche facile à cette équipe qui connaît des grosses difficultés. Vous l'avez entendu en début d'émission, Roger Bondembebo Kanyanga, 4e vice-président de la Fédération Congolaise de Football Association, a promis les débuts des travaux de réhabilitation de ce stade pour ce mercredi, en prévision surtout du match aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération entre le FC MK et Ismaili d'Égypte. Toutefois, ce stade Tata Raphaël va continuer à accueillir des matchs, notamment du championnat national, à commencer par celui de ce mercredi. Vous allez voir les différents rendez-vous. Le mercredi, donc, c'est ce mercredi 26 février. L'ASV Club reçoit au stade Tata Raphaël l'OC Mungano, match de la 11e journée. Et puis, dans un match en retard de la 9e journée, le TP Mazembe Englebert, dans le groupe A, sera opposé au Cercle Sportif Don Bosco. Et puis, le 27, dans le groupe B, le Lubumbashi Sport Sporting Club Rojolou. Et un peu plus tard, le 2 mars, Shark 11 OC Mungano et Sa Majesté Sangabalende, Darim Club Motema Pembe. Ce sera un très très grand match, une fois de plus, entre ces deux formations. On revient maintenant à l'avant-match entre l'OC Mungano et l'ASV Club pour vous dire que depuis la montée de l'OC Mungano dans la division d'honneur, cette équipe n'a pas encore réussi à battre l'ASV Club au championnat national. Ou mieux encore, c'est l'ASV Club qui s'est toujours imposé, que ce soit à Bukavu tout comme à Kinshasa. On va voir quelques images avec un match OC Mungano-ASV Club au stade de la Concorde de Kadutu pour vous signaler déjà qu'au match
aller, l'ASV Club s'était imposé en déplacement, 1-0, grâce à un but de Kila Ngoudikama, qui permettait donc avec club d'arracher les 3 points de la victoire. Et la saison dernière, lors de leur unique confrontation au championnat national, l'ASV Club, devant son public au stade de Martyrs de Kinshasa, prenait les déçus sur son adversaire, 3-1. C'est pour dire tout simplement que la balance penche du côté des Dauphins Noirs de l'ASV Club dans leur confrontation directe face à l'équipe de l'OC Mungano. On en vient maintenant à l'opposition TP Mazembe, Cercle Sportif Don Bosco, pour vous dire que là aussi, depuis la montée de Don Bosco en division d'honneur, cette équipe n'a pas encore réussi même à accrocher le TP Mazembe Anglébert au championnat national. Les Corbeaux se sont toujours imposés, comme d'ailleurs au match aller, 4-0, avec des buts de Salif Koulibaly ici de la tête, et puis Thomas Olimwingu va inscrire le deuxième but sur cette superbe frappe, imparable pour le gardien des buts du Cercle Sportif Don Bosco. Troisième but, c'est Ousmane Cissé qui va inscrire ses troisièmes buts du tout puissant Mazembe Anglébert. Et puis dans les temps additionnels, Mazembe rajoutera même un autre but pour porter le score à 4-0 face à cette équipe du Cercle Sportif Don Bosco. Et voilà, 4-0, c'est la note très très salée. Alors avec la réalisation, on va revenir aux différents classements à l'issue, donc avant plutôt les matchs de ce mercredi, avec dans le groupe A le TP Mazembe Anglébert qui est en tête avec 27 points plus 26 comme goal average avec 11 matchs joués. Don Bosco et Lupopo sont à égalité avec 9 matchs joués, 16 points, mais Don Bosco est dans une très meilleure position grâce à un goal average favorable. Et puis l'AS Nika, 14 points, n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à cette fameuse deuxième place qualificative pour le tour de play-off. MK de Kinshasa est cinquième également avec 11 points et peut toujours se battre. Elima a 10 points, Dauphin Noir 7 points et le Cercle Sportif Makisso 3 points seulement. On en vient maintenant au groupe B. Sa Majesté Sangabalindé, contre toute attente, occupe la première place avec certes 3 matchs d'avance par rapport à l'ASV Club. Les 100 et hors de Mbujimaï comptent 23 points pour un goal average de plus 8. Avec Club, 18 points pour 7 matchs joués. Lubumbashi Sport, 17 points. DSMP, 12 points. Shark, 11 points. Et puis aussi Mungano, 8 points. Rojolu, 7 points. Et Chinkunku, 6 points. A noter que ce classement a été établi avant donc que la Lina Food ne puisse se prononcer sur le match entre l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. Match interrompu, je vous le rappelle, à la 55e minute de jeu, alors que l'ASV Club menait au score 1-0. Et puis en Afrique, l'heure est au 16e des finales aller des Coupes africaines interclubs. On commence par la Ligue des champions avec les différents rendez-vous. Astre des Douala contre le TP Mazembe. Les Corbeaux exemptés du tour préliminaire s'apprêtent à faire leur entrée au stade de la réunification des Douala face à cette équipe des Astres FC des Douala où on a retrouvé par le passé des joueurs comme Enama Okuda, Amia, tout comme Narcisse Ekanga qui ont fait la pluie et les beaux temps du TP Mazembe qui ont été recrutés par le passé, par un certain Frédéric Kitenge Kinkumba, manager de cette équipe. Et puis Dynamo FC d'Harare va recevoir au Rufaro Stadium d'Harare, l'ASV Club de Kinshasa. Et puis on aura Zamalek Kabouche Corp d'Angola de Trésor Mputumabi, Young Africans Al Ali, Stade Malien contre Al Hilal, AC Léopard de Delizy, Primero de Agosto d'Angola, et Nyimbadaba AS Real de Bamako, Dedebit de l'Éthiopie contre le club sportif Asfaxien, et puis Gor Maya du Kenya contre l'Espérance Sportive de Tunis, et Oroya de la Guinée contre le Raja Club Athlétique de Casablanca. Ce n'est que quelques matchs seulement des 16e de finale de cette Ligue de champions. Et puis en Coupe de la Confédération, nos deux représentants seront également en lice. Don Bosco contre Djoliba. Ce sera au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, et MK contre Ismaili d'Égypte au stade Tata Raphaël. Et puis dans les autres confrontations, Kara contre Étoile du Sahel, Sopa Sports United AFC Léopard du Kenya, Medema du Ghana contre Maghreb de Fès du Maroc, Konzo du Congo Brazzaville contre Bayelsa United du Nigeria. Et puis on a les clubs olympiques de Bamako contre la SEC Mimosa, Deportivo Huila de l'Angola contre le CA Bizertin de la Tunisie, Aumain du Zimbabwe contre Saint-Michel des Seychelles, et puis Ferroviaro de Beira contre Zesco United, un club
zambien. Voilà, ZESCO qui est un club zambien. Et puis on en vient maintenant à l'un de nos représentants en compétition africaine interclub, qui est l'ASV Club de Kinshasa, tombeur des Canaux Pilars au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Dauphins Noirs se préparent déjà pour leur match contre les Zimbabwéens des Dynamo FC. Et la bonne préparation, ce sera ce match officiel contre l'équipe de l'OC Mungano de ce mercredi. Et un jour plus tard, les Dauphins Noirs vont prendre leur avion direction Harare en prévision de leur match contre Dynamo FC d'Harare. Et avant leur départ, Patrick Katebe Kaïssa est allé tout simplement voir comment l'équipe était en train de se préparer et comment elle a vécu le match interrompu face au Daring Club Motema Pembe. Suivez ce reportage. De retour à l'entraînement, après le derby interrompu le dimanche dernier, la SV Club a désormais l'esprit à la Ligue des Champions, même si les violences du stade Tata Raphaël sont dans tous les esprits. D'abord, ça l'a passé par rapport à Fair Play, Zagui formaté. Fair Play, mais Zagui, bien, télé, ça l'a passé. Mais pourtant, et le tendon, les a Fair Play, pour battre tout, battre la football à bien. Mais tu as la faire plaisir à guider le célèbre sauf ma passe. Il y a des incidents pour les gars qui donc. Et c'est ce passe tout le monde va dire que nous sommes pas pour autant vous m'avez pourtant footballer et là au moins 5 ça a battu nous sommes comme vous séparez vous m'avez tous à ma passe vous m'avez qualifié pour la deuxième année des suites pour les 16e des finales de la Ligue des Champions. La SV Club tient à passer ce cap de la compétition pour la première fois depuis 1997, année de la rénovation de la Ligue des Champions. Bah, Harare, on y va pour faire le meilleur résultat possible. Là, c'est la Coupe d'Afrique. Ça se joue en deux matchs. Donc, le premier match, il ne faut déjà pas l'hypothéquer. Donc, on va là-bas pour faire un résultat et, si possible, marquer. Parce qu'un but marqué à l'extérieur compte énormément. Donc, on ne va pas uniquement pour défendre et pouvoir faire la différence ici. Donc, on y va pour jouer notre jeu. On a décidé d'essayer d'imposer notre jeu. Donc, on va aller là-bas pour mettre en place nos idées et ramener un bon résultat pour pouvoir passer ce 16e de finale qui nous est fatal depuis de nombreuses années. Pour venir à bout du club zimbabwéen de Dynamos, les Dauphins Noirs doivent bien négocier leur match aller et travaillent dur pour y parvenir. On a une petite idée, on a vu un petit peu au niveau du Chan, on voit comment ça se joue. Les images du Dynamos, elles sont très rares à trouver, mais on a vu la fraîcheur que le Zimbabwe nous a apportée pendant ce Chan, sachant qu'il y a une majorité de joueurs du Dynamos, donc ça ne jouera pas différemment de ce qu'on a pu voir pendant le Chan. Donc un football très alléchant, un football qui va vers l'avant et qui sera très difficile à contrer. Donc c'était un petit peu aussi dans cette optique qu'on a joué ce match du Daring. C'est ce jeudi que V-Club quitte Kinshasa pour Harare via Nairobi, avant de jouer dimanche contre la formation de Dynamos FC. Et ce même stade Tata Raphaël va abriter à partir de la première quinzaine du mois de mars 2014 au préliminaire de la 50e édition de la Coupe du Congo de football, ville-province de Kinshasa, c'est-à-dire la capitale qui va se chercher son représentant pour la prochaine phase finale. Et pour ce mardi, la Ligue de football de la capitale a clôturé l'inscription de différents clubs qui veulent prendre part à ce préliminaire. Alain Salo Bozito pour le reportage. Les préliminaires de la 50e édition de la Coupe du Congo de football 2014 se déroulera à la première quinzaine du mois de mars prochain. Ce mardi, la Ligue de football de Kinshasa a clôturé les inscriptions des équipes qui y prendront part. Au total, ils sont une dizaine de clubs enregistrés. Las Vegas représentera Tchango, Arc-en-Ciel, l'Entente Lupopo, l'AS Mboudi et FC Dijak représenteront l'Entente Urbaine de football de Kinshasa Lukunga, AC Sodigraf Kilimani, FC Santos, l'Entente Malebo. Les Sporting Club Ujana représentera l'Entente Kilimani, alors que AC Rangers et AS Dragon sont à ce jour les deux représentants de la Ligue de football de Kinshasa. Tundi Zimpetelo, président Nalifkin. Ce que vous devez retenir, monsieur le journaliste, à la Ligue de football de Kinshasa, c'est le respect des tests qui compte. Il n'y a pas des équipes qui partent favorites au départ. Ça, c'est un. Et une fois que nous avons notre représentant, il est pris en charge par le gouvernement provincial. Moi, je peux dire ceci, que la Ligue de football de Kinshasa a des bons arbitres. Et chaque année, ils suivent la formation de recyclage. Mais, comme vous le savez, il a parti déjà des clubs de l'UBC tranquille.
que mes arbitres fassent leur travail comme chez moi, il n'y aura pas de problème. La Fédération congolaise de football association devra reformuler le format de la Coupe du Congo de football et y trouver des sponsors. La FECOFA devra aussi élargir les bureaux de son entité subdélégataire, la LIFKIN. Ainsi prend fin cette édition de Digital Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.